haïtien frère chame, haïtien tout partout dans quatre coins pays d'Haïti. Gros coup de chapeau pour nous toutes. Zami qui dans diaspora yo, nous saluons, nous comptons le fois encore rentrer la caillou. Jeudi en ce dimanche 21 juillet 2024, n'a continué porter information pour nous, n'a continué brasser l'idée sous tout petit détail cap dominer actualité. Haïti politique, royaume politique premier ministre Garry Conille. Li sou route pou le dépatcha, pak en pak, pou le diviser pak en pak. Nan jou ki sot passe la yo, nou apprenn genye kwes konbrit, de blozay politik nan kad yon dialog ki te genye ant ekip premier ministre Garry Conille, premier ministre te présent, te genye divers conseillers présidentiels ki te la, ki tap assiste réunion sa avec chef de parti politik yo. Eh bien, bagay la ta pral mangome, bagay la ta pral chavire entre PM Garry Conille ak ancien PM Claude Joseph. Eh bien, nan audio ki rive jwenn nou la matin, gen yon pile information, gen yon pile rumeur ki te deja tap circulé soti vendredi, pran hier samedi, comme quoi premier ministre Garry Conille li semente jenèk yo touye président Jovenel Moïse, eh bien, nèk yo pap touye le comme ça la fait toute ça le connaît la prend toute disposition le connaît pour le camper nèg stopper nèg yo et nan démarche politique yo a fait et bien non moment n'a parlé à là et bien gen audio nous pral gagner pour nous partager avec vous côté gagner des séries de moun qui proche à équipe Claude Joseph là qui yo même yo retourné avec dossier arrestation Claude Joseph là sous table est-ce qu'effectivement équipe Garry Conille yo envisagé pour arrêter Claude Joseph par rapport avec divers dossiers. Nous pral gagner pour nous opiner sur ça et nous pral gagner pour nous faire entendre qui ça bagay lan ye, rete connecté. Yo l'autre bon dans plusieurs vidéos qui rive joindre nous compatriotes haïtiens frères sœurs, bagay yo mangomé situation malouk, gros affrontement entre la police et nèg exam yo. Nous pral gagner pour nous faire un coup de pied dans quoi des bouquets côté déjà plusieurs présumés bandits blessés mortellement. N'a gagner pour nous faire un coup de pied dans gantier côté nèg 400 marozo yal guéri boscoyo sous population civile là. N'a gagner pour nous passer dans gressier également côté depuis plusieurs jours utag une swat mette pied au terre. Nous pral partager avec vous d'autres d'informations qui pour aider à comprendre ça qui a passé dans moment là souterrain. Gen bonne nouvelle pour nous partager avec vous dans dossier la médaïti et diaspora yo également en pile ami qui t'attend qui t'a posé question. Pour qui ça pouvoir l'État, pour qui ça gouvernement yo pas mette campé de concert avec diaspora, des banques de développement de dans pays et bien équipe premier ministre Garry Conille yo favorable à yon pile gros décision qui pral pran, que ce soit pour la médaïti, pour restructurer la médaïti tout bon et également ça qui ka fait d'un point de vue économique pour aider malheureux malheureux yo pour mettre Haïti sur route de progrès. Nous pral gagner autant de formations que nous pral partager avec vous déjà m'a invité ou même qui fin tomber sur channel là pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification constant pour rester connecté avec nous ou pas rater aucune dans vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Bien. Compatriotes haïtiens frères sœurs, n'a commencé émission avec yon rale mené vini sous des faits importants qui t'est passé pendant semaine. Principalement, n'a prêté dans jeudi, réunion t'est organisée la caille docteur Louis Gérald Gilles côté premier ministre Garry Conille t'est présent, nous gè Claude Joseph Smith Augustin Redé et des Red compromis historique qui t'est présent, nous gagné petite Dessaline Moïse Jean-Charles Emmanuel Vertilier qui t'est présent, nous gagné également et divers autres conseillers présidentiels yo même qui t'est là avec tout représentant parti politique yo ou bien organisation et yo regroupé yo à tout ça qui yo même yo t'est là yo t'a assisté avec démarche et pour y arriver entendre et dialogue qui initié pour y arriver entendre sous des séries de bagailles des décisions qu'a gagné pour prendre dans l'état tout ça mais pas oublier déjà le conseil présidentiel transition avec primature t'es déjà gagné petit bouche louri petit gorge gonflé etc par rapport avec ensemble de décisions bien comportement que Garry Conille t'a gagné qui ton roi amène en bouche conseil présidentiel transition si n'a pas songé le Garry Conille
li te kite peyi a ale Etats-Unis al participe nan plusieurs réunions. Jean-Garry Conille te informé conseil lan nan premier temps c'est sur WhatsApp nan message WhatsApp avant même que lettre et officiel lan te rive joine CPTA pour te informer CPTA que Garry Conille a pas déplacement avec une équipe. Garry Conille li pral faire des rencontres et avec des officiels, li pral discuter de questions économiques, li pas consulter tout d'abord et conseiller présidentiel qui gen pour avec question grand chantier économique yo, li pral discuter de plusieurs autres dossiers, li pas mettre conseiller présidentiel là au courant bien avant. Donc bagay ça t'es déjà fait en pile parler même nan moment retour Garry Conille yo t'es convoqué li pour faire tirer les oreilles. Mais ça va empêcher que premier ministre comme dans tout débat c'est blanc mette Garry Conille c'est blanc qui choisit etc. Garry Conille quelque part il vient confortable nous conforter nos positions par rapport avec question c'est blanc mette là parce que yo dit nous même petit nèg tête graine depuis c'est blanc mette nous père blanc ça blanc dit c'est ça comme si c'est blanc mette nous pas ca révoquer nous pas ca voyer l'aller bon Garry Conille vient confortable. Et quand on bagaille là, on dit j'en viens compliqué dans mes conseils présidentiels transition, c'est le fait que depuis le commencement, yo te gete kite Garry Conille fin prend le devant. Donc li vin un peu difficile pour yo kounia pour yo remonter pour tel Garry Conille, les Garry Conille ont ti gens dépassé limite là. Le Garry Conille a enfreint des séries de et des séries de limites que conseil présidentiel transition sous base accord 3 avril là yo même yo te mette. Par exemple, premier exemple, quand le conseil présidentiel transition quitte Garry Conille fin rentrer dans jardin, craser jardin, piloter jardin et puis qu'on y a après les fermer barrières et li déjà paraît ton petit gens trop tard. Cependant, nous pas jamais oublier que conseil présidentiel transition c'est yo gen pouvoir nommer et révoquer. N'a pas gen pour tourner sous ça. Premier démarche Garry Conille fait qui montre li confortable par rapport avec conseil présidentiel transition. C'est là pour Garry Conille te monté gouvernement. Garry Conille, li proposition li dit 5 ministères régaliens ça yo c'est li pour mettre moun la dedans, li pa bay conseil présidentiel transition, li pa bay parti politique droit pour mettre moun. Alors que conseil présidentiel transition c'est yo qui choisi Garry, si yo ta gen pour yo imposer c'est yo ta doit imposer Garry. Premier ministre. Cependant, le premier ministre Garry Conille te prend décision. C'est lui pour prendre ministère intérieur. C'est lui pour prendre ministère justice. C'est lui pour prendre ministère affaires étrangères. C'est lui pour prendre tel autre ministère. Population te wel bien, nous te wel bien, nous comprenons bien parce que mafia politique ici, les batailles, le Maurice Jean-Charles de besoin contre les ministères intérieurs, nous te gata kon pour qui raison. Le tel moun. Le Moïse Jean-Charles te besoin contre les ministères intérieurs, nous te geta konne pour qui raison. Même Jean tout l'équipe Red et de Claude Joseph là te besoin contre les ministères affaires étrangères, wap geta konne pour qui raison. Le tel l'autre groupe te besoin contre les tel l'autre ministère justice sécurité publique, wap déjà konne pour qui motif. Donc par rapport avec comportement Garry Conille qui te montré à l'époque ton super premier ministre, l'arrivé imposé et bagay la vin fuite, toute population vin sensé koré d'accord avec premier ministre Garry Conille, eh bien, conseil présidentiel l'a obligé céder. Conseil président vin obligé céder. Et c'est à partir de là, premier ministre Garry Conille, li gen tan commencé marquer point sur conseil présidentiel transition. Au conseil présidentiel transition, c'est yo ka nommé, c'est yo ka révoqué, ou on écrit vous arrivez imposé yo et yo coubé. Ça veut dire quelque part, ou commencez à prendre confiance, ou comprenez, ou commencez à sentir confortable. Mais pour nous venons arriver dans la limite, nous venons arriver dans moment pour le premier ministre, pour le choisir directeur général de conseil avec conseil présidentiel transition, etc. Gagner des séries d'institutions qui déterminent. Loi pour BMPAD, loi pour FNE, loi pour FAES, loi pour le conseil d'administration qui doit être campé, etc. etc. Ça, c'est important. C'est important non seulement pour Garry Conille, c'est également important pour le conseil présidentiel de transition. Mais sous base, accord 3 avril, c'est le conseil présidentiel de transition qui a le droit pour nommer directeur général. Qui a le droit pour choisir directeur général pour mettre en place le conseil et l'administration, même je sais conseil présidentiel qui doit nommer ambassadeur, etc. etc. Donc,
démarche premier ministre Gary Conil, son démarche pour isoler. Son démarche pour isoler conseil présidentiel transition, pour le mettre tête li, pour le renforcer position comme super premier ministre, etc. Et pour le montrer véritablement, Gengi sou roche pas bon côté acteur politique. Cependant, nous avons toujours cherché à critiquer à la fois conseil présidentiel transition et premier ministre Gary Conil, mais chaque groupe n'a pas gagné pour nous critiquer, yo, critique pas pour aller dans le même sens. Politiquement parlant, nous connaissons qui est qui compose le conseil présidentiel transition. Nous connaissons Borége, nous connaissons Abolocho, nous connaissons Machin Pays, nous connaissons tout le système. Nous connaissons véritablement qui est ce. Mais premier ministre Gary Conil, tout, ou rentre dans un système, ou rentre dans un pouvoir, ou dit ou gouverner sous base d'accord 3 avril, il faut au moins respecter ce qui dit dans l'accord 3 avril. Donc, sous même base d'accord 3 avril, ou violer quelques règles, ou violer quelques bagailles qui te prévoient dans l'article, donc, ou pas qu'à fâcher si yon râle les oreilles, ou pas qu'à monter l'estomac, ou si yon râle les oreilles. Et c'est ça, nèg yo pa vle bay Gary Conil tout pouvoir ça, non? Oh! Pour bay Gary Conil tout pouvoir ça, conseil présidentiel transition, yon vle toujours assurer yon que c'est yon gen pouvoir. Donc, bagay la onti je chavire, bagay la onti je spaghetti là. Mais nous apprenons bon principe politique. Et même dans la vie courante, tout royaume divisé contre lui-même périra. Tout royaume divisé contre lui-même périra. Parce que qui s'acrive? Notre politique nous dit nous sommes équipe. Que le TCPT, que le T primature, son exécutif nous est nous supposé coordonner pour nous arriver à délivrer aux marchandises, nous diviser entre nous-mêmes. Nous diviser, nous n'avons pas attaqué l'autre, nous n'avons menacé l'autre, etc. Côté résultat. Donc, dans ce sens, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, si rapide, vite, pas grand rien qui fait, c'est rester dans le château de Sablan, l'écraser bip, et puis pas grand résultat qui baille, instabilité puis raide, net politique, chaque monde n'a pas parlé pour monter volume et sécurité dans des gwen Gary Conil, dans des gwen peuple haïtien, dans des gwen population, et puis bagay yo a vin plus malouk, bagay yo a vin plus compliqué. Et le ça a obligé des mesures drastiques qui prend et c'est le ça Gary Conil il pral connait plus gros humiliation par jamais vivre dans question politique en Haïti. Nous pral faire entendre yon audio. Nan audio ça et qui rive joine nous an li concerné yon proche et Claude Joseph. OK? Donc nan audio ça comme gen rumeur k'ap circuler comme quoi Gary Conil gouvernement yo vle arrêter Claude Joseph. Eh bien, nous prenons le temps de à la lettre qui démarche qui t'a fait, quand tu es là, je qui te baille jusqu'à ce que Gary Conil arrive là. Et comment Gary Conil lui-même lui comprend et dossier Claude là, comment l'équipe Gary Conil là, même il a manigancé quelques petits bagages. Donc, on nous attendait ensemble avec moi. Cousin, je sais tout le monde que j'ai utilisé pour arriver là. J'ai utilisé tout le monde. J'ai utilisé. Li utilise tout nèg pour arriver là. Ba besoin citer non l'autre nèg yo. Nous met propre nous dehors, nous met l'argent nous dehors. Monsieur utilise tout moun. Cousin, sou ka au moins même camper devant villa d'accueil. M'a défend nos bagay. M'ba on nèg qui chame fou et puis mon bagay sans que moi m'ba pas la bête à faire. C'est tout moun monsieur utilise. Monsieur comprendre que pratiquement gagne qui dans caca avec. Ouais, monsieur a pas arrêté Claude demain matin, la marche a arrêté. Puis font nèg dans pays d'Haïti parce que tout nèg qui t'aide monsieur arrivé là tout nèg va parler et gagne nèg frèm qui bataille qui goumè pour monsieur arrivé là pas même connait eux même donc ça veut dire que ça le connait yo li ka fa arrêter ou mais c'est ka fait tourer mais ça le pas connait yo c'est eux même qui plus conséquence et plus valable là samedi a si elle et me comprendre samedi a gagne pile nèg qui comprendre monsieur utiliser tout nèg. C'est pas sans raison d'entendre un journaliste conséquent qui a parlé, tout nèg a parlé. Monsieur utilise tout nèg pour arriver là à cousin côté là. Ou qu'on est moins pas dans caca, son calbas dans diol, même pas me cachant rien. Monsieur pas nèg qui pas utilisé. Les nèg vers minuit, les nèg vers 1h du matin, les nèg à 2h, les nèg à 3h. Et puis monsieur écrivé côté rivé à la frère et puis monsieur montré qui est lié. Et tout nèg comprenne bagarre là. Tout nèg a suivre monsieur. Tout nèg a suivi, monsieur. Donc, monsieur prend tout nèg pour imbécile, cousin, prend tout nèg pour idiot.
Si ti Claude Kala, c'est parce que ti Claude son mafia conséquent. Parce que ti Claude pas dans pouvoir, il pas en ken côté, il pas cap nan miton un président, un conseiller président ensemble avec un PM. C'est parce que monsieur son nèg valable. Monsieur utilise tout nèg pour arriver là. Il utilise tout moun pour monsieur pral marcher arrêter moun passer sur pas connait. Et bon ben monsieur pas comprendre. Carlos Hercule. Son juriste conséquent, c'est pas nèg qui j'aime rentrer dans saloperie pour moun. Ni nèg noue qui commissaire gouvernement tout. Nèg ça pas qu'on rentre dans saloperie, nèg ça c'est de fait juriste oui. Fait juriste homme de loi, fait juriste nèg ça oui. Vous comprenez? Donc moi même pas qui est monsieur pral utiliser pour l'intimider moun. Parce que gros homme de la vie. Yo du reconnaissance. Son lâcheté en politique, mais gen sa ou le décès, gen sa ou le triture. Monsieur comprend comme si gen qui n'a caca avec lui. Est-ce qu'on comprend dans le jour, mon cher? Le type se trompe. Monsieur a marché à arrêter tout le monde parce que c'est suivi à suivre. Monsieur, il y a pile de bagailles qui peuvent parler dans le pays d'Haïti. Il y a pile de bagailles qui peuvent parler dans le pays d'Haïti. Par exemple, j'ai un garçon gras comme ça moi-même. Bah, j'aime moi ça dans la vie moi-même. Bah, on va te tendre pour nous. Bien, nous attendons tout détail, nous attendons tout cause, pas vraiment gagner un paquet de commentaires en bras le fait. Mais pour bagay qui attire l'attention, ce qui attire l'attention, non, c'est que une autre fois encore là, nous vin à comprendre chaque jour, nous vin à découvrir chaque jour, démarche pour Gary Conille est arrivé premier ministre. Ça, c'est peut-être une décision qui prend par bon côté. Conseil présidentiel, là, il était déjà favorable pour te mettre Gary Conille. Parce que pas oublier intervention et docteur Louis Gérald Gilles te fait côté te dou chaque jour Gary Conille après les conseillers président yo l'après les yo à toute heure de la journée l'après les yo parce que Gary Conille te vle pour c'est lui même qui premier ministre Gary Conille te vle c'est lui premier ministre et nous sont tendé dans audio à dans voice là comment citoyen lui même l'a expliqué yo mette l'argent dehors l'a expliqué campagne que yo t'a mené à terre pour Gary Conille te ka jwenn support pour Gary Conille te ka bénéficier vote conseiller présidentiel yo ça veut dire quelque part démarche pour Gary Conille rivé comme et premier ministre de dans pays et bien son bagay qui coûte cher son démarche qui coûte en pile l'argent son démarche côté que gen en pile moun qui impliqué là-dedans et même en dedans conseiller présidentiel la même conseiller président qui yo même yo te choisi l'autre candidat qui t'a corré l'autre candidat c'est jote coquin madame parce que nèg yo te geta konnen au fond c'est Gary Conille yo t'a pral avaliser c'est Gary Conille yo t'a pral voter donc ça veut dire choix Gary Conille là son choix que conseil présidentiel là yo même yo entend yo sous li yo fait mais peut-être yo pas imaginer pour résultat ça que Gary Conille a bay là on Gary Conille qui montre véritablement pour jeune yo te déjà si te gen ti kòb an ba tab ki bay li te déjà vini son forme de corruption. On Gary Conille qui déjà connaît en réalité qui sa bataille politique, qui sa rapace politique sa yo yé là. Donc Gary Conille, il lui montre qu'on est journée jodi en jan l'imposant, jan l'hostile par rapport avec yo même. Et bon l'autre bagay, kon l'autre groupe moun ki dou tout ta contact qui gen Gary Conille avec équipe Claude Joseph là. Mais pas oublier gen des dossiers diplomatiques là, ULCC après qui était sur yo. Pas oublier gen des séries de moun qui dans diplomatie hein. Qui se protège Claude Joseph et que moun sa yo rappelé, sa ULCC mandé pour poursuivre, sa ULCC mandé pour maré, sa yo te geta poursuivre pour remettre l'argent. Gen on ambassadeur haïtien qui Venezuela, qui li même li détourné 250 000 dollars américains. Yo a mandé le cob l'argent Victor Généris depuis soir hier, yo mandé le restituer l'état haïtien cob blanc. Li pa jam ka bay cob ça, li pa jam ka expliquer qui ça le fait avec cob blanc côté l'argent ça a passé. Donc c'est des séries de moun qui t'est rentré dans administration, qui t'est rentré dans diplomatie et leur Claude Joseph li même il était chancelier, il était ministre affaires étrangères. Donc tout bagay ça yo pour un pile moun bataille politique, ta contact qui gagne entre Claude Joseph avec Gary Conille, tout ça yo gagne des antécédents. C'est pas un bagay qui en y kleve comme ça, c'est Jean yo kon dit là la fumée pas jamais lever ça dit fait. Donc journée jodi an là à tort ou à raison bataille politique qui existait côté Claude Joseph dit PM Gary Conille, m'ka fout voyo aller Gary Conille dit vinn prendre dans primature sou capable sou qui grain dans derrière etc. Et bien ça pousse Gary Conille à prendre des dispositions et parmi dispositions Gary Conille prend yo gagne youn qui concerne directement
qui concerne la sécurité, pour ne pas boire, pour ne pas livrer, les gens livrer. Ancien président Jovenel Moïse, j'ai assassiné le président. Et il y a une autre qui concerne directement la médaille. Première disposition, Gary Conny, lui-même, lui prend. On nous regarde avec moi, postulat. Primature, il a annoncé que le premier ministre Gary Conny, et vendredi qui s'est passé à là, il démarrait, incident en fait, en jeudi, et bien vendredi, et trois jours avant Gary Conny, il était déjà échangé chef sécurité primature. Là, il a changé carrément, parce que le vrai, c'est lui pour gagner contrôle chef sécurité, c'est le monde qui proche. Il a changé, il met un nouveau inspecteur et qui lui-même en charge de sécurité primature. Eh bien, vendredi, le premier ministre Gary Conny, j'en ai constaté là ensemble avec moi, lui organisé, lui démarré et une journée de travail avec responsable sécurité primature et sécurité rapprochée dans objectif pour renforcer capacité motivation et avec vigilance dans conjoncture ça. Qu'on y a posé cette question qui conjoncture? Les primature dit dans conjoncture ça. Quelle conjoncture? C'est qui conjoncture? OK, des bagages nous doit souligner, des bagages qui important pour nous souligner. Gardez bien, oui. Gardez bien qui ça qui dit. Premier ministre, Gary Conny, démarre journée de travail, li, avec responsable sécurité primatie et sécurité rapprochée, li, dans objectif, renforcer. Premier verbe là, c'est renforcer. Renforcer capacité, motivation et puis vigilance, yo, dans conjonctif ça. La renforcer capacité, yo. Motivation yo et puis vigilance yo dans conjonctif ça qui conjonctif nous connaît déjà gain sécurité mais suite à avec incident qui t'est fini éclaté côté youn a menacé l'autre etc. mais pas oublier Claude Joseph dans dossier assassinat président Jovenel Moïse gain ordonnance qui ronne côté que c'était dans Claude Joseph comme moun qui participait dans tout le président a tort ou a raison. Donc la décision ça prend pas bon côté premier ministre et Gary Conny. C'est comme s'il dit indirectement. C'est comme si indirectement t'a traité. Il t'a traité action passée a ou bien déblosage qui t'a gagné dans lui-même avec Claude Joseph là comme un antécédent qui t'a mené avec assassinat, comme un antécédent comme un problème qui a débouché sur assassinat, tentative d'assassinat ou bien n'importe quoi t'a y a, il décidé, primature décidé, il a augmenté, il a renforcé, il a plus vigilant par rapport avec question sécurité PM là. N'a pas comprendre si moun li gamoun comprendre. Est-ce que nous soumen nous? Bien, eh bien là, nous gagnons, nous pral font coup de pied, nous pral font coup de pied dans commune Croix des Bouquets. Nous pral font coup de pied dans commune Croix des Bouquets. N'a pas gagné pour nous faire passer dans Gressier parce que dans Gressier bandi yo décidé yo même y a bay problème. J'en ai constaté là, eh bien, et nous dans Gressier j'en ai constaté là, eh bien, nous n'en gantier, côté bandit 400 marozo yo même, yo décidé passer en bas flamme d'ife, et commissariat gantier. Ok? Yo décidé, yo passer en bas du feu, yo mette du feu, dans commissariat là, côté que CSOS a demandé pour policier yo, n'a pas gardé, on le fait encore, l'autre commissariat tombé sous contrôle bandit, tombé en bas mes bandit. Et entre temps, faut que nous disions, la police mette pied dans Croix des Bouquets, pas de sa fête dans Gressier. Ce n'est pas 2-3 SOS non, qui lance dans Croix des Bouquets. Côté dans Croix des Bouquets, la policier UTAG, policier SWAT, policier UDMO mette pied à terre. Yo a fait intervention, yo a poté bourré sous bandit. Nous avons vidéo qui rejoint. Nous avons plusieurs bandits qui tombent, nous avons plusieurs bandits qui font voile pour payer son chapeau. C'est même bagarre dans Gressier. Dans Gressier, côté depuis 3 jours là, magistrat Bertrand, yo annoncé pour moun pa passer dans Gressier, moun kap sorti par Port-au-Prince pour aller dans Grand Sud ou pas kap passer dans Gressier, moun kap sorti dans Sud pour entrer par Port-au-Prince ou pas kap arriver dans Gressier parce que situation compliquée. Et bien malheureusement, information qui rive joine nous bon groupe moun qui yo même yo t'a pralé dans mission, t'a pral faire mission, un groupe adventiste qui t'a pral faire mission dans Sud pays là. Là yo rive Gressier nan cas d'affrontement qui gen entre la police avec bandi, eh bien yo victime, gen moun ki victime, gen moun ki blessé, gen moun ki prend balle, gen moun ki mouri. Parce que malgré information a circulé, yo di moun pa passe, bagay yo mangon, mais bagay yo miel
non graissier malgré ça que moun qui fait oreille coupée qui décide fòk yo aller c'est travail bon Dieu pral fè fòk yo aller quand même rien pas privé ou malè pas privé yo bal pas pwè yo donc le ça moun yo victime et lò victime non ou victime ou victime c'est ça qui grave là c'est ça qui fait extrêmement important pour nous tendre le message passé leur autorité yo passer message yo pour nous éviter miyo passer mander pardon pour nous protéger vie nous pour nous et protéger entourage etc. J'aurais nous pas ka pi long ça li important donc étant donné la police a pas attaqué bandi quoi des bouquets yo nèg 400 marozo yo et bien yo al guéri parce que sous moun gantier c'est pas ni deux ni trois moun grand pile moun dans mitan population civile là nan gantier qui yo même yo tombé en bas bal bandi. Donc appel payé pour Normil Rameau, renforcer sécurité population en Gantier, renforcer effectif policier yo si gon bagay ka fait pour le fait parce que moun yo fatigué à question gang nan, yo fatigué à question bandi. Ça li extrêmement important. Nous gen bonne nouvelle pour moun et sud pays, principalement pour famille et journaliste Tess Gary. J'en ai constaté là, il y a interdiction de départ. Nous avons Julien Succion, Michel Seyd, qui lui-même mettait interdiction de départ contre ancien commissaire au gouvernement, Ronald Richemont, et qui lui-même, dans la cité bien fond, toute longueur, dans l'assassinat Tess Gary, un journaliste qui lui-même l'a enquêté sous proximité, sous relation gang, ancien commissaire avec bandit. On comprend, mauvaise affaire, affaire criminelle à tout fait, que l'ancien commissaire lui-même n'a pas réglé. Donc, dans enquêté, dans fouillé zone dans Kalalou, eh bien, il a pris l'assassiné Tess Gary. Eh bien, dossier n'a pas campé. Le commissaire gouvernemental était là, comme lui impliqué, eh bien, il n'a pas poursuivre Tetou. Est-ce qu'on a enquêté sur Tetou? Non, il était prêt dossier, il passe, il fait ça, qu'on est avec dossier, il casse et fait couvrir ça, enquête l'embâcle, etc. Eh bien, qu'on y a. Dossier à l'yo révoqué, l'yo voye l'alé, gon nouveau commissaire du gouvernement, et bien dossier à l'en amont juge instruction kounye a, enquête à fait, pour yon koune niveau implication, ancien commissaire gouvernement et parquet au Kailan, on a le richement dans dossier ça. Donc, il y a interdiction de départ de li, et également avec 5 agents de sécurité li, qui y a interdiction de départ de li tout. Donc, Richemont risque de prendre code là. Il ka prendre code si yo joine ni impliqué, même en virgule, il t'a impliqué dans l'assassinat Tess Gary. Donc, il n'a prêté et suivre le dossier ça de très près parce que faut que la justice triomphe, faut qu'il y ait des exemples qui tracent. Le nous là pour nous bailler justice, nous pas c'est nous qui avons fait MP, c'est nous qui avons fait mauvais actes, c'est nous qui avons tracé de mauvais exemples dans le système justice. Donc, l'important, pour dossier ça, pour le faire outil, pour lumière faite, sous assassinat journaliste Tess Gary. Pas de copé, n'avance. Nous avons un dossier extrêmement important qui est dossier qui concerne la médaille. J'en ai annoncé dans le commencement de l'émission. Eh bien, nous avons un Stipinawa qui lui-même est un conseiller spécial dans la question et commission économique et également. C'est moun qui a travaillé de côté avec le gouvernement Gary Conilon pour y arriver renforcer la médaille. Et bien, il y a de très bonnes nouvelles. Et parce que question amnistie, nèg yo pas dans ça. Même, yo dit pas gen amnistie pour bandi. Question vin amnistie bandi, yo pas dans ça. Donc, nous pral tande position. Et Gary Coni, à travers le conseil Elian Sipinawa, qui lui-même, il pral bay des détails. Sous qui projet Gary Coni gen pour l'armée d'Haïti le plus rapidement possible et comment gonzan mina diaspora qui te posé aux questions sous pour qui ça gouvernement pas mettre campé avec diaspora un banque de développement qui ca aider et pour ca aider préserver l'argent diaspora yo a voyé en Haïti tout ça et bien nous pral gagner pour nous tande qui réponse qui baille c'est très favorable pour ta gagner un bagage comme ça qui fait en dedans pays donc on va attendre ensemble avec moi qui ça cap dit comment Stipinawa lui-même l'a répondre question si là on pas capable parler d'amnistie le ou accepter faire des bagailles qui tout à fait inhumain
qui tout à fait sorti de même de nos pratiques, parce que moi-même l'homme t'a grandi dans le pays ça m'a pas de connu tout bas ça pas de connu. Ah, d'ailleurs n'a parlé de cas de Jacques, c'est pour bas nous t'es qu'on a entendu parler de lui, nous pas de connu entendu parler de bon t'es capable d'être petit vol domestique, t'es capable d'être une série de bagarres, mais dans l'état ça nous vient de là. Ça, c'est pas ça qui est Haïti. Mm-hmm. Et c'est ça nous-mêmes nous comptons. C'est ça. Il y a dialogue, mais il y a aussi négociation. C'est ça. On dit que pas de dialogue avec les bandits et option de négociation. Par exemple, voyez l'argent Bayo pour ne pas tirer, surtout que si nous avons quelques opérations pour le faire, tomber comme ça, pour un bébé, ça, il n'est pas une option non plus. Non. Nous-mêmes, nous pas ouais bagarre là comme ça. Et d'ailleurs, il faut d'abord reconnaître l'autorité de l'État et donc accepter que c'est l'État qui a le monopole de la violence. C'est la première chose. Et donc, là, nous dit déposer les armes, c'est simplement parce que, ou pas supposer que les armes, non, mais on, en tous les cas, face à la population, sauf si ou sont policiers, sauf si ou sont militaires. Donc, si on accepte réformer, c'est autre chose. Il y a des gens qui peut-être aiment le métier des armes. Eh bien, dans ce cas-là, soyez rentrez dans la force sécurité, rentrez dans la police. Mais bandits, hein, nous pas qu'à accepter. Mm-hmm. Moi, c'est une rare fois, nous entendons un autobré, si je dis comme ça, parler de l'armée. Mm-hmm. C'est comme si nous disions que l'armée n'a pas jamais existé, c'est qu'on est là et nous avons une implication directe et très active de l'armée d'Haïti dans la lutte qui va le faire là. Est-ce que au niveau de l'exécutif, nous avons pensé à bailler aux moyens pour ça? Bon, on a travaillé sur ça. La vérité, c'est qu'en quelques semaines, nous réussissons à nommer un nouveau chef de police, mais tout nous gagne en tête nous, pour que nous nous fassions bon passer maintenant l'armée. Et nous demandons l'armée à que la police travaille ensemble, de même façon que nous gagnons des troupes qui ensemble capables de réaliser un bagage. Donc, dans ce sens, ça, nous-mêmes, nous voulons une armée forte. Nous pensons d'ailleurs, c'est un fait, et ce pays a été créé par l'armée indigène. Donc, l'inacceptable pour aujourd'hui, hein, nos forces de sécurité soient réduites au plus bas. Lorsqu'on prend une série de statistiques, nous avons à peine 108 policiers pour 100 000 personnes dans le pays d'Haïti. En général, des pays qui pas grand pile monde gagnent 300 policiers pour 100 000 monde. Et nous parler de policiers. Si on parle de forces de sécurité, aujourd'hui, avec des forces de police qui réduites à environ 10 000 monde, des forces armées qui peut-être gagnent 2 000, 3 000 monde, avec peut-être d'autres forces, donc on peut arriver à 15 000 monde sur 12 millions. Mm-hmm. En République dominicaine, à côté, il y a 120 000 militaires et policiers pour 12 millions de monde. Donc, mm-hmm. regardez la différence. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il nous faut, de toute façon, reprendre tout le territoire du pays. Et pour le faire, il nous faut aussi donner les moyens. Il nous faut avoir des forces sécuritaires qui sont en mesure de nous protéger. Moi, je pense que c'est extraordinaire que, malgré tout, le pays a vint pas. C'est 14 communes que nous avons visées. Mm-hmm. Et donc, il nous faut avancer, certainement. Et en même temps, il faut que nous venions comprendre que Bandio, je dis, hein, peut-être qu'il y avait un état de fait, mais nous disons, les choses doivent changer, les choses, et nous voulons que les choses changent. Mmh. Et nous voulons aussi que, l'on a parlé de Bandi, nous bien comprendre que c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement celui qui tient les armes, celui qui a financé les armes aussi. Il faut qu'il y réforme. Et c'est important. Monde qui finance acquisition d'armes ou bien donc là, autour dit que la justice se retourne vers tous ceux qui sont fautifs. Et c'est ce que nous voulons. Hmm. OK. Bon, maintenant, on regarde pour nous. Et ça s'appelle bail. Nous allons faire un coup de jet sous liste internationale sanctionnée, liste monde qui est sanctionnée. Nous allons faire un coup d'œil sur ça. Nous espérons ça, bien sûr. Encore une fois, ça revient du domaine de la justice. Ça revient, en même temps, il ne faut pas oublier que notre justice, c'est une institution qui aussi est affaiblie. Et nous, pas forcément, il y a des tribunaux de tous côtés. Et il y a des certains tribunaux, par exemple, pour poursuivre les crimes financiers. Nous, pas vraiment, il y a des tribunaux qui sont à même de le faire dans tous les départements. Donc, tout ceci, on doit y penser. On doit y travailler, on doit remettre sur pied des institutions fortes, mais certainement,
tout indice de personnes, que ce soit la clameur publique, que ce soit l'international, d'ailleurs, que l'international, si l'international aujourd'hui a aussi des données, c'est souterrain en fin de prendre données. Les institutions haïtiennes ont quand même fait un minimum de travail. Donc ce n'est pas pour couture que vous venez, et ce n'est pas vous-même seulement qui pourrez venir décider qu'il nous faut aller après. D'ailleurs, il nous faut une justice qui puisse poursuivre aussi tous ceux qui, dans ce pays, ne respecte pas la loi. Il y a des gens qui ont sanctionné, qui estiment que il y a une anomalie dans le processus, ça, étant donné que pas de justice qui était condamnée, il n'y a pas même un moyen pour défendre la tête, il y a juste seulement apprendre qu'ils sont sanctionnés. Même songer, ancienne ministre de la Justice, on a dit que la PECRI, pays qui dit qu'ils sont sanctionnés, pour être capable d'imprégner de ça au gain la main. Bon, jusqu'à présent, nous, le grand public n'a aucune idée des avancées. Il pas connaît est-ce que pays yo, dont le Canada et les États-Unis nous pas connaît qui ça a été voué par le gouvernement haïtien, est-ce que nous même nous pas relancer processus ça pour nous seulement connaît ou bien prendre connaissance de ça que accusé moun sa yo et même leur fondement. Est-ce que nous entendons relancer processus ça auprès des pays concernés? C'est pas simplement relancer le processus. Le processus est en cours. Les enquêtes continuent. Dernièrement, il y a eu aux Nations Unies, au Vini, au Palais, justement, il y avait une réunion là-dessus, ceci sur les sanctionnés. La seule chose, c'est que, bien sûr, il nous faut aussi des preuves. Il nous faut aussi trouver toutes les... remonter l'histoire de tout ce qui s'est passé. Et certainement, il y a peut-être des circonstances atténuantes dans certains cas, mais la vérité, c'est que beaucoup de ceux qui n'ont pas respecté la loi devront faire face non seulement à la justice haïtienne, mais dans certains cas à la justice internationale. Il ne faut pas oublier non plus que nous, non pays, côté que l'on a parlé de bandits et de crimes organisés, ce crime dépasse nos frontières. Et donc, c'est normal que... S'il faut faire face, il faudra faire face non seulement à des conséquences au niveau international, mais aussi, nous espérons, pouvoir redonner à la justice haïtienne toute sa force pour que lui-même tout soit capable de faire travailler. Mm-hmm. Au niveau du pouvoir en place, nous réfléchissons, est-ce que nous avons déjà réfléchi sur le rôle que les États-Unis, par exemple, jouaient, si vous voulez que ça montre en Haïti, nous réfléchissons sur ça déjà? Bon, par contre, sorry, les réfléchir sur ça. Nous constater que, effectivement, nous pas fait ZAM et que grand pile ZAM qui rentre et par des moyens divers. Maintenant, et comment empêcher ça? Nous demander Mounio pour que ZAM pas rentre dans le pays. Autant que possible, nous avons essayé de surveiller les frontières. Mais cependant, il y a pas mal d'acteurs, ce n'est pas simplement les États-Unis, puisque les États-Unis sont pour peut-être la plupart des armes capables de sortir des États-Unis, mais parfois ce sont des citoyens haïtiens ou de la diaspora qui font les armes rentrer. Bon, le balai de réflexion, je vais arriver sur, par exemple, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on a réfléchi sur des initiatives, notamment pour protester, sous forme de protestation? Est-ce qu'on a pensé à ça? Parce que toujours dans des moments. C'est vrai que c'est des Haïtiens qui ont acheté les amis. C'est des Haïtiens qui ont un cob, qui là-bas, qui a permis ça. Nous avons les États-Unis, nous avons la République dominicaine. Est-ce qu'il y a possibilité de protester? Si oui, comment le faire? Et quels sont les résultats espérés, attendus? Disons mieux, quels sont les résultats espérés d'une telle démarche? Si nous entendons en tamil, bon, il est clair que le processus, ça, c'est un processus qui est assez nouveau au point de vue international, côté que nous avons des forces qui viennent aider nous. Ce n'est pas des forces, et ce sont des forces multinationales, donc c'est une série d'accords bilatéraux. Donc c'est dans ce sens-là que nous-mêmes nous pensons que tout le monde qui voulait aider nous, les différents pays, eh bien, ils pourraient venir rentrer dans ce processus d'accord bilatéral avec nous. Et donc ce ne sera pas aussi facile que quand on a une mission des Nations Unies et puis nous faisons un deal avec les Nations Unies et puis l'y inclut toute une série de monde. Là, il nous faut aller au cas par cas, pays par pays. Maintenant, certainement, nous pensons que l'appel a déjà été lancé.
Nous pensons que nous avons démontré notre volonté justement de résoudre la crise sécuritaire. Et on s'y attaque en premier. Et nous, même si par exemple on veut de la relance économique, nous ne connaissons pas si pas de sécurité, si pas de justice, et bien cette relance économique, son bagage qui ne peut pas arriver. Mm-hmm. Pour que ça arrive, il nous faut d'abord assurer que effectivement, que le monde circule. Exact. Alors moi suivre avec en pile attention propos introductifs du Premier ministre, côté que nous capables de dire, contrairement à ça. On monde qui a pensé que pas grand rien qu'a fait li t'est bien imbu de situation réelle pays. Dans mise en contexte ça dit pour justifier les opérations qui vont être lancées bientôt en Stepping Hour. Li parler de agissement bandio, je dis en c'est lutte mon a lutté pour survivre, mon pas qu'à circuler ou encore lui même dit circuler c'est un calvaire, l'école fermée, centre de santé abandonné, gagne ti moun gagne des innocents qui a victime. Pas gain l'espoir dans le pays. Investisseurs découragés, impact humanitaire, des milliers de déplacés, en pile cas déjà qu'a fait sous Timoun, en pile monde kidnappé, traumatisme, c'est pas des bagages que mon a oublié tout de suite, insécurité alimentaire, une situation que le décrit comme étant un bagage qui est extrêmement tragique, impunité, la justice qui va faire travailler, corruption, désastre. Il faut des actions décisives et déterminées. Un peu de bon mise en contexte, hein, ça le dit. Hein. Mais bon bagage qui est particulièrement intéressé, et maintenant, c'est le rôle au poil jeu en tant que monde qui a des oreilles, Premier ministre, là, en votre qualité de conseiller à la gouvernance et la relance économique. Il n'y a pas de détail sur le monde qui décapitalise, les petites entreprises qui font faillite. Je ne parle pas en posant l'homme tourné, on peut dire non. Qui ça nous décider fait, quelle forme d'accompagnement vous entendez donner aux petites et moyennes entreprises décapitalisées quand nous connaissons que gagnent près de un paquet d'entrepreneurs qui décident à investir dans l'autre pays, gagnent pile monde tout. Qui quitte le pays? Calnan Biden, c'est un pays à reconstruire. C'est ça. Est-ce que je prends 15 secondes quand même pour me dire un bagage? Mm-hmm. C'est que le Premier ministre, là, ce constat, il l'a fait dès le premier jour. Dès le premier jour, là, il est venu, il descend dans la ville, il a regardé, il est arrivé dans le centre, il est arrivé dans les réfugiés. Et c'est là qu'il a compris que la première chose à faire, il s'est rendu compte en tant que médecin de la quantité de gens qui étaient malades dans ces cas. Et c'est ça qui fait que la première action qui a été réalisée, c'est l'hôpital général. C'est pas anodin. Ça s'est fait parce qu'il a compris la nécessité, justement. Donc, ça, c'est son premier souci. Son premier souci, c'est d'apporter, de soigner, et c'est en tant que médecin, d'apporter ce qu'il peut à la population. Et ensuite, une fois qu'on a commencé cet aspect humanitaire, maintenant on peut aller plus loin. La première chose, c'est redonner confiance. Il ne faut pas oublier que, quel que soit, de pouvoir parler d'économie, on parler d'une population qui sentit que l'on a confiance et que l'on est capable d'investir. Si pas capable de garder devant, si pas capable de gagner confiance, justement, dans et plan que vous mettez, que vous êtes capable d'arriver à atteindre des résultats, eh bien, vous n'avez pas l'investir. Donc, aujourd'hui, ça nous comprend, c'est que, effectivement, cette question sécuritaire, c'est le premier message que nous devons lancer pour donner confiance. OK? Et bien sûr, en même temps, la première chose, au point de vue sécuritaire, mais qui aussi peut avoir un impact sur la relance économique, c'est de débloquer les voies. C'est-à-dire débloquer vers le sud, débloquer vers le nord. Rien que ça, à permettre que nous prenions souffle et que la capitale recommence à vivre et en même temps tout les provinces. Maintenant, l'autre chose importante, c'est que il nous faut aussi nous dire que souvent, malheureusement, nous considérons Haïti et puis nous en avons parlé seulement de la capitale. En fait, c'est un pays qui est bloqué au niveau de 14 communes aujourd'hui. Donc, la vérité, c'est qu'il y a tout un pays à explorer. Et il nous faut aller vers les provinces. Il nous faut aussi ouvrir les provinces. Ça, c'est une bagaille qui est l'éclé pour nous. L'éclé que nous ne sommes pas capables de concentrer les investissements dans la capitale. Au contraire, il faut que ces investissements aillent se faire à l'extérieur. Et quand on veut redonner, d'ailleurs, aujourd'hui, Wallan provinciaux, la vie est beaucoup plus intéressante, et certainement, que dans la capitale. Donc, ça, c'est autre chose. Maintenant,
en termes de support, c'est ça la difficulté. Pour pouvoir supporter, pour pouvoir avoir, par exemple, des banques qui vous financent, il faut que la banque elle-même aussi soit en confiance. Il faut aussi que la banque puisse savoir qu'effectivement, vous allez lui apporter un certain retour, puisque de toute façon, c'est à partir des profits que vous devrez payer la banque. Donc, comment arriver à cela? Comment redonner cette confiance et comment supporter tout ce monde? Ça aussi, ça doit faire partie du dialogue. Ça aussi, c'est à la population de nous dire. Mais surtout, il y a aussi d'autres choses. Il y a combattre la corruption. Il y a aussi retourner à des pratiques saines des affaires. Il y a aussi permettre que justement tout le monde ait accès au marché. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc pour nous, c'est un tout. Et c'est là-dessus que nous essayons de travailler. Et nous voulons aussi maintenant non seulement redonner confiance à l'investisseur haïtien, mais éventuellement à l'investisseur étranger, à l'investisseur international, de façon à ce qu'une fois que l'y senti que nous-mêmes, nous vraiment voulons penser que nous venons. Et je pense que ça va se manifester. Si nous réussissons vraiment passer le cap des prochains mois, passer le cap du fait que nous pas considérés encore comme un pays failli, parce qu'aujourd'hui nous sommes un pays failli, si nous arrivons à sortir de cette étiquette, l'étiquette du pays le plus pauvre, pour passer à l'étiquette du pays le plus prometteur, par exemple, à ce moment-là, on a vraiment commencé à créer l'espoir et créer la confiance et on pourra donc revenir à des pratiques d'affaires qui soient des pratiques acceptées de tous. Mais, bien sûr, il nous faut aussi une volonté. Il nous faut une volonté à tous les niveaux. Si le Premier ministre a dit, Hans, qui c'est que tu as regardé là dans une éventuelle activité de relance économique, sur l'Abdil? Les premiers secteurs, les secteurs les plus importants pour nous, de toute façon, c'est toujours l'agriculture et le tourisme, quelque part. Il nous faut du tourisme local aussi, il nous faut aussi du tourisme de la diaspora, il nous faut, nous pensons que c'est ce que notre pays a à offrir, sa culture est unique. Mais l'agriculture aussi, parce qu'il nous faut encore, il nous faut nourrir. Mais pourquoi aucun plan pour ça? Il y a un plan que nous sommes en train de construire. Et en fait, nous avons terminé hier seulement toutes les feuilles de route que nous sommes en train d'envoyer aux différents ministères et qui doivent permettre que cette relance économique. Mais la relance économique n'est que l'une des étapes. Mais il nous faut aussi arriver, comme on l'a dit, à la sécurité nationale, à reconstruire le dialogue, il nous faut aller vers les élections. Et nous sommes aussi conscients que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Nous avons 18 mois encore à travailler. Et c'est faire beaucoup. Donc on ne veut pas non plus avoir les mains trop chargées, parce que qui trop embrasse mal les trains, donc il nous faut arriver quand même à nous concentrer. Et donc pour le moment, ce sont les secteurs les plus faciles. Mais c'est aussi débloquer les investissements. Il y a énormément d'investissements qui ont été bloqués à cause de la situation pendant ces dernières années. Si nous pouvons identifier, d'ailleurs nous le demandons à tous ceux qui ont des investissements bloqués, de nous contacter, de nous dire comment on peut arriver justement à ce que nous appelons des quick wins, comment nous pouvons arriver à relancer certaines choses qui étaient sur le point de démarrer, par exemple, ou qui ont dû fermer et qui pourraient être relancées. Et nous sommes beaucoup dans le cas, et je m'inclus, qui avons dû fermer nos entreprises à cause de la situation. Certainement, un pays ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et donc, ensemble, nous devons vraiment identifier quelles sont les voies pour sortir. Nous y réfléchissons, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Ce n'est pas simplement le gouvernement. Il nous faut vraiment que tout le monde participe à cela. Nous réfléchissons aux questions carburant, prix carburant. Est-ce que nous réfléchissons? Maman, nous ne pouvons pas prendre décision, non? Oui, nous réfléchissons et nous regardons comment nous sommes capables de peut-être donner certains avantages à partir de ça. Et certainement, le carburant enfin, est transversal. C'est on a d'ailleurs. Par contre, si c'est moi qui mal comprendre, mal tendé ou bien qui oublie vite, semblait pas. Bon, c'est vrai que pour le Premier ministre, n'est pas capable d'aborder tout sujet dans le discours, mais on dirait que je m'attendais de parler de rôle que la diaspora a joué
non, pour ce que ça pas lancé hier. C'est ça? C'est que m'entendez ou bien? il n'a pas mentionné la diaspora, mais cependant le premier ministre certainement est aussi issu de la diaspora puisque nous connaissons que pendant ces 10 dernières années, il était à l'extérieur du pays. Il y revient. Il n'est pas revenu seul, il est revenu avec quand même et l'effort de beaucoup de gens, non seulement d'Haïti, mais de la diaspora. Donc, pour nous, certainement, la diaspora a son rôle à jouer. Ou est-ce que c'est parce qu'il est déjà entouré, encadré de gens de la diaspora, qui sont très nombreux, et que... Bon, je ne pense pas. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns autour de nous, oui, avec qui nous travaillons, et nous continuons certainement à avoir des échanges avec eux. Et certainement, la diaspora est tout à fait intéressée à la relance d'Haïti. D'ailleurs, je pense que dans les prochaines années, si nous arrivons à faire qu'Haïti soit relancé, d'ailleurs, on peut voir, par exemple, même au niveau des États-Unis, avec ce qui est en train d'arriver, il y a eu effectivement la vague Biden, mais il y aura peut-être une vague Trump qui serait, qui va venir dans le sens inverse. Hein. Ouais. Maintenant, à tort ou à raison, le Premier ministre parlait à la presse aussi, agissement monsieur Yo, surtout qu'a indiqué, mais qui position la police y est. Lui déconseiller ça. OK, bon, s'il mettait ça de côté, mais il y a l'autre point côté qu'il dit côté nous hier nous pas fait bac. Et puis il dit nous parer pour piège, nous parer pour les attaques, nous parer tout pour les fake news. C'est-à-dire que nous entendons pas fake news. Nouvelles qu'ils ont inventées, qui n'est pas fondée, qui n'est pas campé citoyen, de fausses propagandes, de propagande, de tout simplement. Pour contrer les fake news, nous avons des choses à faire pour ça? Bon, il est difficile de contrer les fake news. Et d'ailleurs, depuis le début du gouvernement et même avant, nous avons pile fake news qui vient en face de nous. Grand pile fake news, par exemple, sur le rôle de, allons dire, de différents conseillers, de différents mondes qui font série de bagailles. Et souvent, nous obligés de mettre fake sur eux. Et là, nous capables, là, nous jouons les nouvelles là. Mais ça, nous comprenons tout, c'est que fake news, là, il vient en sorte de nouvelle arme. C'est une nouvelle arme de la communication, c'est une arme aussi pour essayer de nous déstabiliser. Nous-mêmes, nous ne voulons pas prendre une déstabilisation. Ça. Nous voulons que le monde comprenne que justement, nous avons un objectif, que nous avons essayé d'atteindre. Et l'objectif, ça, nous avons essayé autant que possible de le clarifier. C'est pour ça que le Premier ministre a aussi dit dans les médias officiels. Donc, les médias officiels de la primature. Si vous voulez vraiment connaître les vraies nouvelles, allez là. Pas quitter le monde abdu ou que, par exemple, gagner une série de bagailles qu'il a faites quand ce n'est pas le cas. Donc, nous essayons autant que possible, nous, de rester dans la réalité. La réalité, c'est que nous avons trouvé un état délabré. La réalité, c'est que nous avons trouvé des institutions qui ne marchent pas. La réalité, aujourd'hui, c'est que nous avons une fonction publique et des gens qui empilent là-dedans, ils vont dans Biden, que ce soit dans la police, que ce soit dans les différents ministères même. Nous avons énormément de cadres qui ont laissé le pays. C'est ça la réalité. La réalité, c'est comment nous les faisons revenir. La réalité, c'est comment maintenant nous pouvons travailler à redonner la confiance. Comment les gens peuvent se sentir en sécurité et ne pas penser qu'ils vont être kidnappés. Comment les gens peuvent rentrer là et vraiment se sentir à l'aise dans ce pays. C'est ça nous-mêmes l'empêchons de faire. OK, mais est-ce que nous n'avons pas réfléchi en amont pour nous empêcher on sait de nouvelles ou bien fausses nouvelles véhiculées? Par exemple, dans le cas d'une opération, qui ça l'État entend faire sur le plan communicationnel? Il y a une institution, bon, c'est qu'il a. Et, ou bien qu'on a tel qu'il a, ou bien les compagnies de téléphonie mobile qu'il a tout. Nous pas jamais pensé à solliciter collaboration yo. Nous pas dit que nous n'y pensons pas. Certainement, il y a certaines choses qui relèvent, je dirais, de l'autorité de l'État et qui sont peut-être plus confidentielles. Mais oui, nous essayons de trouver autant de support que possible pour pouvoir en même temps couvrir nos opérations. Mais ça, nous vient, c'est que les gens prennent des risques inimaginables. Et nous, Mounio, même le gain force de police qui a intervenu, nous avons tiré, et puis nous avons des journalistes qui descendent, qui prennent une série de news et qui parlent pour tout bagaille pour que
yo gen un pile like, yo gen un pile moun kap suiv yo. Et ça nous oblige d'ili, parce que en même temps, ils sont en train de risquer leur vie, et même parfois aussi en train de colporter des nouvelles qui ne sont pas vraies, ou encore ils sont à la recherche du scoop, à la recherche de l'attention. Et je dis, hein, il nous faut d'abord créer un climat paisible, un climat aussi qui permette vraiment le dialogue. Et donc, fake news là, nous voyons que c'est en réalité, il vient aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, un peu le monde dit que fake news a marché beaucoup plus vite que oui. les vraies nouvelles. Et oui. donc, nous tenons à attirer l'attention de beaucoup de gens sur le fait que les fake news, souvent, inonde les réseaux et ce n'est pas forcément la vérité. Mm-hmm. Alors, pour nous tourner sur la question, Roland Stang, un auditeur qui est dans la diaspora qui m'a demandé pour me poser une question pour lui. Pourquoi ne pas encourager, au niveau de la diaspora, la création d'une banque de développement et d'investissement avec les capitaux de la diaspora dans un partenariat public-privé? Nous sommes prêts à l'envisager. D'ailleurs, il y a une banque de ce genre qui avait été créée. Et je parle de Promo Capital, on parle il y a 20 ans, qui était une banque d'entrepreneurs de la diaspora et d'entrepreneurs haïtiens. Il n'y a pas eu grand suivi, malheureusement. Mais aujourd'hui, oui, nous sommes prêts à l'envisager, mais il nous faut d'abord le projet. Il nous faut aussi des gens, parce qu'à chaque fois qu'on parle de banque, les gens ne comprennent pas qu'il nous faut quand même des gens qualifiés. Et il nous faut aussi nous-mêmes travailler sur nos lois, au point de vue bancaire, au point de vue financier. Les lois pour les banques haïtiennes sont différentes. Ici, quand on parle d'une banque de développement, on parle d'une société financière de développement. C'est ça, c'est ce que dit la loi. Et certainement, il y a beaucoup de travail à faire encore sur le point de vue financier et pour pouvoir amener plus de capitaux en Haïti. Mais il y a certainement, la diaspora joue son rôle. Peut-être que, par exemple, les transferts, il y a une façon de travailler là-dessus. Bref, il y a énormément de choses à faire et nous n'allons pas nous réduire à quelque chose. Si la diaspora et tous ceux qui veulent participer, nous sommes ouverts et nous sommes là pour leur donner le support nécessaire. Et voilà, nous s'attendons à l'intervention, tout détail, toute explication. Hansi Pinawer, lui-même, il t'a baillé. Quand il t'a répondu à une question sur divers points importants, question sécurité, renforcer l'armée, et importance l'armée a gagné pour le gouvernement, pour le premier ministre Gary Conny, etc. Comment il envisage aborder question économique. Donc, je pense que je vous dis, par rapport avec l'urgence qui gagne, faut que véritablement, faut que peuple haïtien qu'on ait position, faut que qu'on ait et comment Gary Conny campe, comment le campe dans ça qui vient pour avec grand chantier. C'est pas seulement faire des promesses, mais est-ce que promesses ça est réalisable? Qui ça va faire pour réaliser? Comment on va aborder problèmes pays? Comment on va aborder questions politiques pour mettre un frein dans stabilité, dans bataille politique pour pouvoir qui vient là? Ça est important. Si ça qui plus basique que n'ego pas faire, comment n'ego pas arriver en temps là pour délivrer marchandise? Comment on va le faire? Donc nous souhaitons de tout détail qui t'a baillé. Donc c'est là n'a tout mettre en bout dans émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous déposer information sur la pour vous. Restez connecté à channel là pour cette programmation. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paula, pour qu'il y ait bien informé avec Yann.